Professeur Emmanuel Navone, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, on peut dire après la tension de ces dernières 24 heures, l'union Gantz-Lapide, la fermeture des listes électorales, on peut peut-être un petit peu souffler, essayer de comprendre un peu ce que l'on a vécu, ces instants que l'on a vécu au cours donc, des dernières 24 heures en particulier. Quel regard portez-vous sur ces derniers développements, sur cette union au centre que Benjamin Netanyahu qualifie d'union de la gauche? Est-ce que vous pensez que, de manière radicale, cette union peut bouleverser, on va dire, la donne politique en Israël? Elle pourra bouleverser la donne politique qu'à deux conditions. La première condition, c'est qu'elle attire un nombre relativement important d'électeurs de droite et de centre-droit. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait suffisamment de petits partis de droite qui ne passent pas le seuil d'éligibilité et qui, par conséquent, ne permettraient pas à Netanyahou d'avoir ce que l'on appelle un bloc électoral après les élections. Si ces deux conditions sont remplies, alors oui, la liste unie de Gantz et de Lapide pourrait tout à fait former le prochain gouvernement. Alors, justement, vous avez évoqué un problème qui est extrêmement important et on a du mal à comprendre véritablement la position de Benjamin Netanyahou, puisque d'un côté, on a vu Benjamin Netanyahou au cours des 48 dernières heures s'efforcer, par exemple, de tout faire pour faire en sorte que les petites formations ne soient pas noyées, ne puissent passer le seuil d'éligibilité, donc faire, par exemple, l'union dans les partitionnistes religieux. Mais d'un autre côté, hier soir, Benjamin Netanyahou appelle les électeurs à renforcer le Likoud pour justement que le Likoud passe devant le bloc centriste de Gantz et de Lapide. Alors il n'y a pas une contradiction dans cette activité, dans ces démarches? Non, l'explication est très simple. C'est que pourquoi est-ce que Netanyahou a tout fait pour une union des partis de droite et il faut bien dire maintenant d'extrême droite, oui, avec le parti de Itamar Ben-Gvir? Pour qu'il n'y ait pas de voix qui soit perdue. C'est-à-dire que si, par exemple, le parti de Ben-Gvir aurait pu faire jeter à la poubelle, entre guillemets, plusieurs dizaines de milliers de voix. Oui, mais... Donc, en créant cette union, il est sûr que ces voix ne vont pas à la poubelle. Oui, une fois mais, que cette mais, union mais est si... faite... Oui, mais si, par exemple... Ben, alors, une fois que cette union est faite, ensuite, lui, que l'union entre le... les trois partis religieux, nationaux religieux, que eux fassent quatre mandats et que les électeurs se reportent sur le Likoud, c'est ça que veut Netanyahou. C'est-à-dire, oui, à la fois, oui, mais par exemple, qu'il n'y ait pas de voix perdue et que les gens votent pour le Likoud. Oui, mais par exemple, il y a un parti comme le parti de Kulanou, qui est, on va dire, de centre-droite. D'accord. Si les électeurs de Kulanou comprennent que le Likoud risque de perdre les élections et donc votent pour le Likoud, ils vont affaiblir Kulanou et Kulanou ne va pas passer le seuil d'éligibilité et il fera défaut à la coalition de droite. Oui, mais il faut bien comprendre que le parti Kulanou, contrairement au parti du foyer juif et de l'Union nationale, n'est pas dans la poche de Netanyahou. Je sais bien. D'une part. D'autre part, les électeurs de Moshe Kahlon, certains sont de droite, d'autres sont de gauche. Ce sont des électeurs qui ont voté pour Kahlon essentiellement pour se focaliser sur les questions économiques et sociales. Et là, ils ont d'autres choix. Ils ont le parti également de Orly Lévy-Abécassis. Peut-être que certains voteront pour la liste Lapid-Gantz. Et donc, oui, si effectivement Kulanou ne passe pas le seuil d'éligibilité, ça porterait plus atteinte à Netanyahou. Et oui. Mais encore une fois... Même chose pour Israël Bétenou, par exemple. C'est-à-dire, si, voilà, si l'électorat... Israël Bétenou n'est pas non plus dans la poche de Netanyahou. N'oubliez pas que Lieberman pourrait tout à fait rejoindre un gouvernement dirigé par Benny Gantz. Et c'est même assez probable, d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est vrai que ces deux partis sont dans l'actuel gouvernement de Netanyahou. Mais contrairement au parti... Lieberman dit clairement qu'il recommandera Netanyahou, aujourd'hui en tout cas. Il ne dit pas ça clairement, il n'a jamais dit clairement. C'est-à-dire que Lieberman, Netanyahou sait très bien qu'il ne peut pas compter sur lui. Lieberman pourra tout à fait... Oui, il est imprévisible aussi, c'est vrai. Il est imprévisible et je ne serais pas du tout étonné s'il passe le seuil d'éligibilité, il recommande au président... Benny Gantz comme Premier ministre après les élections, c'est tout à fait possible.
Alors, il y a dans cette conjoncture, il y a aussi les messages. Et les messages que l'on fait passer, on l'a vu hier très clairement en deux interventions à quelques minutes d'intervalle. Il y a, on va dire, un message extrêmement général, global, très flou, un message d'unité, un message de solidarité, un message presque historique de la part de Benny Gantz et de Yair Lapid. Et puis, de l'autre côté, il y a un message, on va dire, celui de l'action, des acquis de Benjamin Netanyahou. J'ai fait ci, j'ai fait cela pendant 10 ans. J'ai développé l'État d'Israël et j'ai empêché l'Iran de conclure l'accord. J'ai tout fait pour protéger pour défendre la sécurité de l'État d'Israël, etc. Toutes ces réalisations diplomatiques, économiques, sécuritaires, sociales, Benjamin Netanyahou les a mis en avant. Il n'y a pas un décalage ici entre le flou artistique du parti de Benny Gantz et, on va dire, les réalisations de Netanyahou ? Mais il faut comprendre, je pense, qu'il y a là à la fois des acquis importants de Netanyahou, et pas que de Netanyahou d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il était Premier ministre, mais il y a eu d'autres ministres également qui ont participé à ces acquis. Oui, des acquis diplomatiques et économiques importants de Netanyahou. Mais regardez la liste de Benny Gantz et de Yair Lapid. Il y a sur cette liste également certaines personnes qui étaient des proches de Netanyahou, des gens qui sont véritablement de droite. Oui. Prenez Tzvika Hauser, par exemple, qui était le secrétaire général du gouvernement, qui est un homme véritablement de droite. Prenez Yoaz Hendel, qui était son porte-parole. Prenez Bougui Yaalon, qui était son ministre des Affaires étrangères. De la Défense. De la Défense. Ce sont des gens de droite qui ont subi Netanyahou, l'homme, pas Netanyahou, l'homme d'État, oui, qui fait du bon travail, mais le politicien qui maltraite ses associés, oui, et qui ont une développé vis-à-vis de lui véritablement une allergie. Et si vous voulez, c'est un peu ça le paradoxe de Netanyahou, c'est que d'un côté de gros acquis diplomatiques et économiques, de notre côté, des relations humaines exécrables avec ses associés, et puis aussi un comportement où les gens commencent à se fatiguer. D'abord, 10 ans au pouvoir, il y a l'usure du pouvoir, il y a les affaires, il y a le comportement avec sa femme, avec son fils, et si vous voulez, les gens reconnaissent ses acquis, mais se disent, ça fait 10 ans, il faut peut-être passer à autre chose. Et finalement, quand vous regardez le message de Gantz et de Lapid, ils disent pas on va créer un État palestinien, oui, on va établir une économie socialiste, pas du tout. Ils disent oui, Netanyahou a fait du bon travail, mais maintenant il commence à perdre un peu la tête, à se prendre pour Louis XIV, il a ses affaires, donc ça suffit, maintenant on va se focaliser sur les embouteillages, sur le manque de lits dans les hôpitaux, et ce message passe d'une certaine manière chez beaucoup d'Israéliens qui reconnaissent les acquis de Netanyahou, mais qui sentent également à la fois l'usure du pouvoir et un comportement qui commence véritablement à gêner beaucoup de gens. Mais tout de même, est-ce que ce n'est pas surprenant que le parti de Benny Gantz, alors maintenant il a été rejoint par le parti de Yair Lapid, le parti de Benny Gantz ait réussi à obtenir une vingtaine de mandats dans les sondages, qu'aujourd'hui le bloc Gantz-Lapid ait 35 mandats, sans que l'on sache ce que pense véritablement celui qui est a priori potentiellement le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. C'est pas surprenant ? Ça montre à quel point les gens veulent un changement. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut bien comprendre aussi qu'il y a un effet de vase communicant dans la gauche et dans le centre-gauche. Parce que n'oubliez pas que ces 20 mandats de Benny Gantz et ces trentaines de mandats de l'union entre Gantz et Lapid, elles se font sur le compte du Parti travailliste. N'oubliez pas que le Parti travailliste, d'après les derniers sondages, est à 5 ou 6 mandats. Oui. Et donc les électeurs du Parti travailliste vont vers celui dont ils pensent qu'il va pouvoir remplacer Netanyahou, quelle que soit à la limite ses positions. S'ils le voient comme un candidat de centre-gauche qui a les meilleures chances de remplacer Netanyahou, il migre en masse du Parti travailliste, si vous voulez. Oui. Donc c'est ça aussi, c'est que ce sont des électeurs qui sont de centre ou de centre-gauche, qui ne veulent plus de Netanyahou et qui iront vers quiconque a les meilleures chances, d'après eux, de le remplacer, et d'où cet effet de vase communicant dont on est témoin au sein du bloc de centre-gauche.
Est-ce que vous avez le sentiment que la décision du conseiller juridique du gouvernement, qui est probablement la prochaine étape dans cette campagne électorale, elle devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines, ou peut-être même les prochains jours, est-ce qu'elle est de nature à affaiblir le Likoud, elle risque d'affaiblir le Likoud, ou au contraire, elle risque de provoquer une sorte de sentiment de rapprochement, de vouloir resserrer les coudes autour du leader pour protéger Netanyahou? D'abord, je pense que cela dépendra beaucoup de la teneur de la décision elle-même. Oui. C'est-à-dire que si le conseil juridique du gouvernement dit, voilà, le dossier 4000 est grave et je vais mettre le Premier ministre en examen, ce sera une chose. S'il dit, il n'y a rien du tout dans le dossier 4000, c'est sur le dossier des cigares, je ne vais peut-être pas le mettre en examen, ou alors le mettre en examen, mais pour un but de confiance, bon, les gens se diront, c'est pas grave. Donc beaucoup va dépendre, si vous voulez, de la décision elle-même. S'il s'avère qu'il décide de mettre en examen le Premier ministre sur le dossier 4000 et qu'il y a là véritablement un problème de corruption et de pot de vin, Netanyahou pourra difficilement dire, je pense, que Avishai Mandelblit, qui est un homme religieux, orthodoxe, fait partie d'une espèce de vendetta d'extrême gauche pour l'éliminer. Si vous voulez, il y a quand même quand on fait de la propagande, il y a des choses qui passent pas. Donc, si vous voulez, présenter Mandelblit comme une vieille élite de gauche qui est là pour le déloger, ça passera pas parce que c'est faux. Oui. Si vous voulez. Et je pense que les gens, le public également dans son ensemble, voit et ressent que Mandelblit est un homme honnête, qui sent qu'il a une énorme responsabilité sur ses épaules et prendra véritablement ses décisions selon les faits juridiques et pas selon des calculs politiques. Et il n'est pas certain que ça soit le cas si la décision risque d'être plus nuancée envers Netanyahou, mais enfin... Alors, comme je l'ai dit, beaucoup dépendra de la teneur de la décision elle-même, de la gravité de la décision. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est une mise en examen pour un problème d'abus de confiance sur un sujet mineur, bon, je pense que l'électorat de Netanyahou dira, bon ben, d'accord, c'est pas grave. Mais si c'est sur une décision grave, là, effectivement... Beaucoup de gens pourront se dire, bon, alors, en plus de ça, si en plus le Premier ministre est mis en examen pour quelque chose de grave, alors là, effectivement, ça risque de faire migrer, je dirais, beaucoup d'électeurs vers le bloc Gantz-Lapid. Alors, une dernière question, nous avons une minute pour y répondre. Tout semble semblent se préciser, bien entendu, il reste encore 45 jours. Mais si on arrive au lendemain des élections à un cas de figure où, on va dire, les blocs sont quasiment semblables, mais il y a, par exemple, un bloc de 61 députés qui recommandent Binyamin Netanyahou avec un Likoud qui est tout de même assez nettement inférieur au bloc centriste de Gantz et Lapid, mais le bloc centriste avec la gauche israélienne n'obtient que 47 mandats, sans compter bien entendu les partis arabes. Est-ce que vous pensez que le président de l'État peut confier à Benny Gantz le soin de former la coalition gouvernementale, ou alors il sera obligé, bien qu'il n'a pas beaucoup d'amitié pour Netanyahou, de confier à Netanyahou le soin de former cette coalition? Beaucoup dépendra de la position des partis ultra-orthodoxes. Aujourd'hui, Yahoudoute HaTorah et Ch'ass déclarent qu'ils soutiendront Netanyahou, mais vous savez, les promesses des hommes politiques, il faut les prendre avec une pincée de sel. C'est-à-dire, pensez qu'on peut avoir une coalition avec Lapid et les orthodoxes dans le même parti, dans la même coalition? C'est peu probable, mais ça n'est pas à exclure. Oui. Et encore une fois, n'oubliez pas que beaucoup dépendra du seuil d'éligibilité si Ch'ass, Kulanu ne passe pas le seuil d'éligibilité, et même Lieberman, cela peut complètement renverser l'équilibre des blocs. Eh bien, Emmanuel Navon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements politiques. Je suppose qu'on aura l'occasion de se parler encore dans les 45 prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.